Eh bien, salut tout le monde, Zarko79, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nucléaire sur la map Spire, en domination avec la Manowar. C'est un gameplay que je vais vous proposer dans d'autres circonstances. Mais vu qu'il y a eu toutes ces agitations par rapport au prochain Call of Duty et un remake de Call of Duty 4, j'ai décidé d'en parler dans une vidéo qui va être spécialement consacrée à ça, donc ça va être celle-ci. Et on va un peu parler de COD4 et voir de mes attentes, et surtout on va voir si c'est vrai. Je vais vous mettre des screens à l'écran juste après. La présentation du gameplay et l'annonce du commentaire ont été faites. Sans plus attendre, on passe au sujet. C'est parti. Donc on va parler de COD4 dans ce commentaire. Alors pourquoi ne pas parler d'Infinite Warfare? Tout simplement parce que Infinite Warfare, ce serait le prochain Call of Duty. Et j'ai pas envie de m'avancer sur quelque chose dont je ne suis pas du tout certain. J'ai envie de m'avancer sur Call of Duty 4, qui est un Call of Duty auquel j'ai joué. Et surtout, qui est un Call of Duty sur lequel je me suis vraiment amusé. Je tiens à préciser tout de suite que rien n'est officiel, rien n'a été officialisé de la part d'Infinity Ward, qui sont les développeurs du prochain Call of Duty. Mais beaucoup de leaks et beaucoup d'informations semblent vraies, comme le nom du prochain Call of Duty qui serait donc Infinite Warfare et le retour de COD4. Vous aurez un screen à l'écran de toute façon pour vous prouver que rien n'est du mensonge. Mais tant que ce n'est pas officialisé, j'avais quand même peur de me lancer sur le prochain Call of Duty. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est de parler de COD 4 et de voir ce que vous attendez de COD4, le retour. Parce que COD4 a vraiment été un excellent Call of Duty, c'est là où tout a commencé. Le Call of Duty de Infinity Ward, hein, donc Call of Duty 4, là où le multijoueur a vraiment pris apogée, soit, je sais pas si je peux dire ça, mais ça a vraiment été le must et tout. Mais est-ce que un Call of Duty 4 exactement copié-collé de la PS3 serait suffisant sur PS4? Alors pour moi, évidemment, non. Pourquoi? Parce que Call of Duty 4, alors je parle même pas de question graphisme, parce que je sais très bien que s'ils le font, les graphismes vont être faits, tout ça, ce n'est pas les graphismes dont je parle, c'est le contenu du multijoueur. Est-ce que vous croyez qu'un Call of Duty 4 tel quel, ça va satisfaire les joueurs? Alors évidemment, pour tous les puristes comme moi, oui. Mais il y a des trucs qui vont manquer, des trucs qui vont déranger. Par exemple, il y a certains atouts comme deuxième chance, mastodonte, quoique deuxième chance, je ne pense pas qu'il est sur code 4, je m'en souviens plus. Mais mastodonte par exemple, qui est un atout bien casse-couille, lui, bah, il va venir ennuyer son monde. Ensuite, il y aurait pour moi quelque chose qui dérangerait, ça serait le manque d'intérêt à jouer à COD4 avec les camouflages, par exemple. Parce que depuis quelques années, on est habitué sur Call of Duty à avoir énormément de camouflages. Là, sur COD 4, pour ceux qui n'ont pas joué, il n'y a que 5 ou 6 camouflages. Et le camouflage or n'est disponible que sur certaines armes de certaines classes. Et je pense qu'il faudrait vraiment mettre le camouflage or sur toutes les armes pour que les joueurs trouvent déjà, on va dire, plus d'intérêt. Ensuite, quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas faire pour moi sur ce COD4, ça serait de venir remettre une sorte de marché noir ou un système de ravitaillement. S'ils font ça, ils vont tuer le old school, ce qui est clair. De toute façon, si le jeu est officiel, comme je l'ai dit, rien n'est officialisé, c'est quelque chose de remasterisé. Quelque chose de remasterisé, c'est quelque chose de base qu'on a transformé. Donc pour moi, je pense pas qu'ils viendront mettre de marché noir. Enfin, de marché noir, évidemment, ça sera que pour Black Ops 3, de toute façon. Mais des conneries de ravitaillement ou des trucs qu'on peut gagner dans le jeu en plus, je pense pas. Mais ce serait quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas faire. Ensuite, je pense que ce qu'il faudrait rajouter, ce serait un ou deux accessoires supplémentaires. Alors, moi, ça ne me dérange vraiment pas de jouer sur du classique comme COD4, par exemple. Vu que COD4, pour ceux qui n'ont jamais joué, les seuls accessoires sur l'arme, c'est le silencieux, le viseur laser ou le viseur ACOG. Ça dépend de la catégorie d'arme. Et c'est tout. Je pense que c'est les seuls accessoires et le lance-grenade, évidemment. Et quelques atouts vraiment classiques. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait un peu trop faible pour beaucoup de joueurs. Moi, ça me dérange vraiment pas. Moi, je veux dire, ils peuvent laisser que ça. Ça me dérange pas. Mais je pense que ça va. Ils vont mettre quelques accessoires en plus. Et je pense aussi à rajouter des streaks. Parce que pour tous ceux qui n'ont jamais joué à COD4, sur COD4, il n'y a que 3 score streaks qu'on ne peut pas changer de toute façon. Qui sont le drone à 3 kills, le bombardement à 5 et l'hélicoptère à 7. Et je pense que s'ils font un COD4 remake, ils vont rajouter un ou deux streaks en plus. Pour ne pas laisser le jeu. Je vais dire pour pas remettre le même jeu. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je préférais qu'ils laissent le jeu de base, mais je pense qu'ils vont devoir le modifier pour la communauté, parce que laisser un vieux jeu comme COD4, le copier-coller et ensuite dire bon les gars, voilà, on vous l'a sorti pour la somme, parce que je pense qu'ils vont le faire payer 30€. Hein, s'ils le font, ils vont pas le donner gratuitement, hein, faut pas abuser, même si le jeu a 9 ans, ouais, le jeu il a 9 ans. Je pense pas qu'un jeu qui a 9 ans, ils vont le refaire gratuitement, surtout qu'ils ont travaillé dessus et qu'ils ont rappelé les développeurs d'une société qui ont été renvoyés comme
Non, pas Robert, non, Robert Bolling n'a pas été renvoyé. Il a quitté la société avant Ghost, mais ils l'ont rappelé pour refaire le jeu. Alors, je ne sais pas si tout ça est vrai. Je ne sais pas si COD 4 sera de retour. Mais si c'est officiel, je pense qu'ils vont devoir remodifier leur jeu, modifier beaucoup de trucs. Et surtout apporter des nouveaux modes de jeu et laisser les anciens. Je pense que ce sera vraiment quelque chose de bien aussi. De laisser le jeu tel qu'il est, c'est-à-dire que les anciens modes de jeu et tout ça. Mais apporter tous les camouflages qu'on a à l'heure actuelle sur Call of Duty, apporter un système, je veux pas dire un système un peu plus dynamique à COD4, genre l'accélérer, pas dans les exos, hein, pas du tout, mais je veux dire lui donner un peu plus de dynamisme et tout ça, parce que je pense que COD4 c'est vraiment un jeu qui pour la communauté actuelle va être très lent. Et si par exemple juste à accélérer la vitesse de sprint du personnage, par exemple, vous voyez, la mettre à 110%, tous des trucs ainsi, pour que le jeu soit aussi dynamique et que les gens ne disent pas que COD4 masterisé c'est de la merde. Moi j'attends vos avis par commentaire, dites-moi si la vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, check la chaîne de Botou, ça le fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Zarko. Bye bye bye.